Cardinal va remettre du côté droit. C'est saisi par Crank. Crank qui s'arrête en coin de patinoire, remonte au point d'appui vers Jonka. Jonka, un tir bloqué par Goubi. Retour devant et on est en contact avec le gardien. C'est dans ce match à l'Armada. Dion au point d'appui se déplace. Remet vers Dumont à la remorque. Dans l'enclave, la pointe devant. C'est contre! Quel filet de Jacob Dion alors qu'on évolue à 6 contre 5 et les Voltigeurs prennent les défense 1-0. Regardez sa tête qui fait des Voltigeurs. C'est le cas de la dans l'enclave, c'est Charon qui s'empare du disque. Charon tente d'immobiliser. Attention là, Ravindiskis devant le filet. C'est con! Et Kieran Craig qui crée l'égalité en avantage numérique avec 9 secondes à faire à ce jeu de puissance. Tout ça part, on pourra le voir, peut-être qu'on n'ira pas aussi loin dans la séquence. On peut voir ici, là, on perd la rondelle le long de la rampe et tout est fait en fonction de laisser les joueurs de l'Armada devant le filet. On avait déjà pris le filet, on va vers Woodward. 15 secondes, vers côté, vers Woodward, au point d'appui vers Lamoureux qui transfère pour Dion dans l'enclave. Un tir de côté sur réception, arrêt de la mitaine de Gravel, arrêt important. Partisans, merci de porter votre masque tout le temps. Une formation. Directement sur Schmidt pendant. Beau travail de Morin là, qui est venu bloquer l'offrande du défenseur de l'Armada. Attention, le Morin va s'amener à 2 contre 1 avec Pedro. Tente de lui remettre le disque, belle glissade de Tico! Gabriel Jackson qui est venu joindre l'attaque et redonne les ponts rouges de 1. Oui, il a choisi son moment, Gabriel Jackson, pour venir appuyer l'attaque. Les intentions de Morin de rejoindre Pedal étaient excellentes, mais belle glissade du défenseur. Oliver qui va s'amener rapidement. Morin complètement seul dans l'enclave. Oliver revient vers l'avant. Un tir bloqué par Gravel. On délibre. Bel arrêt du bout de la jambière de Gravel. Et Pedro conserve le...